Aïe, 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 ça se peut pas. C'est un cadeau magnifique, c'est incroyable. Quand j'étais écouté chanter Céline, mon poème, si j'étais quelqu'un, j'étais très émue. Toutes les deux, on ne se connaît pas. Mais c'est comme si on se connaissait déjà. Je partirai loin dans la vie. Nathalie Netchain est une poète française excessivement douée. Atteinte de la trisomie 21, elle n'a pas laissé son handicap l'isoler. Au contraire, en écrivant, elle nous tend la main. Si j'étais quelqu'un, je rirais souvent comme les autres. Je penserais à toi. Si j'étais quelqu'un comme les autres. Le fait que le vrai artiste, il me représente. Ça veut dire que mon art, il est valable, quoi. Avant, j'étais pas sûre que c'était bon. Maintenant, je sais que c'est bon. Je redécouvrirai le monde. Je le peindrai à ma façon. Si j'étais quelqu'un. Quand je serai à Las Vegas, on se verra enfin toutes les deux. Nathalie et toi, Céline. Comme les vagues comme de la les mer. Comme les vagues de la mer. Qui me bercent doucement. Doucement. Et dans mes rêves, je te vois chanter mon poème, Céline. Et elle représente beaucoup de choses, quoi. Le bonheur de vivre. Et ce bonheur, il est en moi maintenant. Quelqu'un comme les autres. Christine Orban est une auteure née à Casablanca qui vit maintenant à Paris. Elle est l'une des plus grandes vedettes du star system littéraire français. J'accueille Christine Orban. Parmi ses 15 romans, certains ont été publiés en Allemagne, en Chine, en Corée du Sud et aux États-Unis. I am pleased to have Christine Orban to this table. Le récit autobiographique L'âme sœur, racontant la vie et la mort de sa petite sœur qui fut séparée de ses enfants, m'a particulièrement touchée. Mon premier roman s'appelait Les petites filles ne meurent jamais. Je me rends compte que dans ma première chanson, je reviens sur le même thème qui est donc la petite fille qu'on a été. Je ne suis pas seule, tu vois, que l'on raconte, il faut que tu me crois. Je me dis qu'il y a forcément une contradiction entre être une star et qui on est réellement. Il peut y avoir des malentendus, bien que je crois que Céline Dion est une des personnes pour qui il y en a très peu parce que son regard dit la vérité. Je préfère avoir écrit pour elle avant de l'avoir connue. Pour moi, c'est un chemin obligé. On écrit pour l'image qu'on a des personnes et c'est important de la voir sans même l'intermédiaire d'elle-même. Vous voyez, c'était ma Céline. Je ne suis pas seule. Mes mots simples, comme ils me sont venus, comme j'ai ressenti, portés par une voix aussi extraordinaire, j'ai vraiment envie de dire merci. Je ne suis pas cette fille-là. Marie Laberge est une auteure de théâtre de renommée internationale. Ses pièces ont été jouées en France, en Allemagne, en Suisse, en Grande-Bretagne, en Italie et au Portugal. C'est aussi une auteure de romans extrêmement populaire. Sa trilogie, Le goût du bonheur, s'est vendue au Québec à plus de 600 000 exemplaires. Et en France, 100 000 exemplaires se sont déjà écoulés. Comme les héroïnes de ses œuvres, Marie Laberge est une battante. Le temps qui compte est toujours compté, qu'il soit gagné, qu'il soit gaspillé. Ça, c'est fou. Le temps qui compte. C'est une fille pour qui le temps qui compte doit être encore plus compté que pour nous. Tout cet art, ce savoir-faire, on n'en sait rien du prix que ça coûte et du temps qu'on met pour y arriver. Il y avait l'aspect des années qui la séparent de son mari et qui ont fait et ont joué contre elle à un moment donné parce qu'elle était trop jeune pour le dire qu'elle l'aimait. Et j'imaginais déjà tout ça. Dans le temps qui compte, dans le temps qu'on estime être le temps de sa vie, ce temps d'aimer sans le dire et d'aimer en secret, je sais c'est quoi chercher les yeux de quelqu'un dans une coulisse, puis dire « t'es content, c'est bon, c'est ça que tu voulais ».
et être contente parce qu'on a chanté comme on voulait dire « je t'aime ». Jeannette Bertrand est une pionnière. Si aujourd'hui les femmes s'illustrent autant dans le show business québécois, c'est beaucoup grâce à elle. En tant qu'animatrice et auteure pour la télé, son œuvre a ouvert l'esprit de notre nation et aidé chacun de nous à s'accepter tel que nous sommes. C'est une femme qui n'arrête jamais. Elle enseigne toujours et vient de publier à 82 ans son premier roman. J'étais en train d'écrire... D'écrire parce que j'écris tout le temps. Et le téléphone a sonné. Et c'est une voix que j'ai reconnue tout de suite, la voix de René Angélil, qui me demandait si je voulais écrire une chanson. Elle est trop énervée. Oh mon Dieu! Ouf! Je me suis mis à sa place, comme je fais avec des personnages. Et je voulais écrire quelque chose de très personnel, de très senti. Et j'ai pensé que moi, toute ma vie, j'avais été une mère, j'ai eu 3 enfants, que je devais quitter pour aller travailler. Puis je me suis dit, qu'est-ce qu'elle doit sentir? C'est triste. Puis c'est beau en même temps. Venise, 12 mai 1834. Non, mon enfant chéri. Ces 3 lettres ne sont pas le dernier serment de main de l'amante qui te quitte. C'est l'embrassement du frère qui te reste. Sois heureux. Sois aimé. Comment ne le serais-tu pas? Mais garde-moi dans un petit coin secret de ton cœur. Et descends-y dans tes jours de tristesse pour y trouver une consolation ou un encouragement. D'une femme, mais d'une chose si délicate. Ton âme est faite pour aimer ardemment ou pour se dessécher tout à fait et dire comme moi, j'ai souffert souvent. Je me suis trompée quelquefois. Mais j'ai aimé.